17 ans de carrière, 15 Tours de France dont 20 jours passés en jaune, Thomas Vauclair a mis aujourd'hui son dernier coup de pédale. C'était un petit peu chargé en émotion juste après, voilà. J'y étais un petit peu préparé, mais tant qu'on n'est pas sur le moment, maintenant, bien sûr que c'est difficile, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc, quel que soit le métier qu'on pratique, quand en plus on a la chance de faire celui qu'on aime, bien sûr quand ça s'arrête, même si on l'a choisi, c'est un peu difficile. L'organisme, la tête, tout a envie de se dire « bon, c'est terminé, mais c'est vrai qu'il reste une belle étape mythique et cette avenue, c'est grandiose et c'est un sprint magnifique. Donc je pense que le jeu en vaut la chandelle, il faut rester concentré, il nous reste une étape vraiment. Et puis ce soir, on se fera vraiment plaisir. Le Tour de France de l'équipe Direct Énergie, je ne veux pas que ça se résume à une étape, mais c'est quand même le moment fort, c'est la victoire de Lilian Calmejane sur les Rousses. Et puis les deux anciens, les deux plus expérimentés, qui ont quand même réussi un bon tour, on les a souvent vus à l'attaque. J'aurais aimé que Thomas, pour son dernier tour, remporte une étape, mais il était à la hauteur, je pense qu'il s'est fait plaisir, donc un bon bilan pour l'équipe Direct Énergie. C'est... L'expression « mettre son dernier dossard » prend tout son sens. En l'occurrence, c'est l'avant-dernier, parce que je commence par le droit. Mais voilà. J'ai essayé de... Ouais, c'est vrai que... Tu vois, il est pas très bien collé, c'est le stress de la fin, ça. Non, j'ai été meilleur sur ces trois dernières semaines pour le collage des dossards, quand même. Non mais en fait ouais, je voulais remplacer un gars, j'allais pas toute neuve donc... non, c'était... Pichuy, il veut venir juste pour la dernière étape, quoi, pour la brinque du soir. Et il aimerait bien faire l'étape des champs et puis pas les cols des Alpes et des Pyrénées. Quoi. Faire le départ et l'arrivée seulement, sans passer par le milieu. C'est déjà pas mal en soi. Ouais, c'est pas mal. Avant, il y avait ce fameux défilé là sur les champs, maintenant depuis je crois 3-4 ans, hein. C'est fini, c'est dommage, mais c'était sympa pour justement pour faire profiter à toute l'équipe qui sont pas forcément sous les feux des projecteurs, je pense à l'encadrement, les mécanos, les masseurs, les directeurs sportifs, c'était une belle occasion de finir le Tour de France en une belle parade. Comment vous le sentez, ce Tour de France? On a fait un putain de Tour de France, nom de Dieu! On n'a pas ramené le maillot jaune! On ne l'a pas ramené à Paris, mais on a quand même ramené une étape, hein! Et trois dossards de la combativité! Oui, en plus! Nom de Dieu, ça c'est rose! C'était réussi! Ça rose!